Alpine et Mercedes. Alors, s'associe avec des guillemets du conditionnel, hein, c'est pas officiel encore. C'est James Walsh, du coup, qui dit que par contre, s'ils s'associent, il y aura du retard, du coup. Il pense que c'est une bonne chose si Alpine s'associe à Mercedes. Mais dans ce cas, les Français seront confrontés à un énorme défi. Nous travaillons avec Mercedes depuis de nombreux mois pour mettre au point le bon concept pour la voiture 2026. Donc, quoi que vous fassiez, vous avez certainement 6 à 12 mois de retard sur les trois autres équipes. C'est un énorme retard. Et je dis pas que c'est récupérable, mais il y aura des domaines où vous devrez faire des compromis. Il y a une énorme montagne de travail à accomplir pour que tout se passe bien en 2026. La moindre décision de conception peut avoir un impact énorme dans la réalité. Ouais, alors, pour l'instant, personne n'a le droit de travailler sur les voitures 2026. Ils auront le droit qu'en 2025, le 1er janvier. Par contre, bon, il faut qu'ils se concentrent sur le moteur, forcément. Mais ça, bon, les écuries clientes, elles n'ont pas à s'occuper de ça. Donc, à voir. De toute façon, Alpine, il va falloir prendre une décision très vite, hein. S'ils s'associent à Mercedes ou pas, il va falloir prendre cette décision dans les semaines qui viennent, hein, clairement. Donc, je pense qu'on sera fixé d'ici la rentrée, a priori. Ciao.